Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Voici, nous sommes à Madrid. D'accord, donc c'est pour ça que j'ai dit bonsoir. Peut-être que d'autres se trouvent ailleurs avec d'autres horaires, d'autres francophones, on va dire, qui pourraient et accéder à cette page et avoir la possibilité de participer à ce cours sur l'interprétation des rêves de Sigmund Freud. Donc, je m'appelle Clémence Lenis, je suis psychanalyste de l'école de psychanalyse et poésie Grupo Cero, qui a son siège à Madrid et qui travaille depuis plus de 40 ans à former des psychanalystes et à travailler donc pour la santé mentale de la population. Donc, sur Madrid, évidemment, et après, grâce à Internet et à les réseaux sociaux, ainsi que le Skype, ainsi que le téléphone, à pouvoir agrandir on va dire, ses possibilités d'accès. Donc, aujourd'hui, donc, je vous propose d'initier, d'accord? Aujourd'hui, on va commencer par une lecture. Je vois qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient intéressés pour participer à cette lecture. Alors, cette lecture sur l'interprétation des rêves, c'est une lecture, on va dire, un petit peu particulière dans le sens où c'est une lecture psychanalytique, c'est une lecture qui va respecter les marges et les limites de la psychanalyse. La psychanalyse est une science et donc, comme toutes les sciences, ben, elle s'occupe d'un terrain bien délimité. D'accord? Donc, c'est un terrain délimité sur lequel elle va pouvoir bouger, mais elle ne va pas déborder à droite et à gauche pour aller voir ce qui se passe. Donc, nous allons commencer donc notre lecture sur l'interprétation des rêves. Donc, la lecture de l'interprétation des rêves, en fait, nous allons la commencer la semaine prochaine. D'accord? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous allons voir un petit peu les éléments qui vont être indispensables à cette lecture. D'accord? Bah oui. On ne peut pas s'approcher de l'interprétation des rêves comme ça, sans préparation. Bon, on ne peut pas, on ne peut pas, on peut toujours. Mais disons que ce qui va nous intéresser ici, c'est de voir quels sont les instruments dont j'ai besoin pour pouvoir faire une lecture productive. Parce que une lecture où je vais pouvoir découvrir quelque chose de nouveau. Si je me retrouve avec avoir lu la lecture où j'ai reconnu des idées que j'avais déjà, bon, ben, ce n'est pas une lecture très intéressante. D'accord? C'est-à-dire que la lecture que nous proposons aujourd'hui, bonsoir Hélène, la lecture que nous proposons aujourd'hui, c'est une lecture pour essayer de voir et de découvrir quelque chose, non, que je n'ai jamais vu, que je ne savais pas que ça existait. Non? D'ailleurs, c'est une chose dont va nous parler Freud dès le départ, c'est-à-dire que dès le départ, Freud il va nous dire, si je compare ce livre à un autre livre que j'ai déjà lu, je perds la nouveauté. Je perds la nouveauté que me propose ce livre. Et ça, c'est une notion qui est très intéressante, qui est obligatoire pour les scientifiques, non? Pour découvrir quelque chose de nouveau. Je ne peux pas le comparer à quelque chose de connu. Mais c'est la même chose dans notre vie quotidienne. Si je compare un amour avec un autre amour, je perds la nouveauté de cet amour. C'est-à-dire que si je vis la même chose avec un amour qu'avec un autre amour, ce n'est pas que l'autre, il est le même. Sinon, c'est peut-être que moi, je n'ai pas changé. Et que je répète, on va dire, la même situation qu'avec l'amour antérieur. Parce que, comme vous le savez, personne ne ressemble à personne. Nous avons tous, non, une nouveauté. Nous avons tous quelque chose de différent. Et que personne ne ressemble à personne. Donc, on va regarder un petit peu, donc, pour s'approcher de cette lecture, pour s'approcher de ce texte de l'interprétation des rêves, et on va voir que ce dont nous allons avoir besoin, c'est d'essayer,
parce que ce n'est pas facile, nous le savons, de mettre de côté nos préjugés, les éléments de notre raison qui viennent combattre, parce que nous avons, les êtres humains, nous avons une grande difficulté à modifier nos idées. C'est-à-dire que nous avons un certain amour pour nos idées et nous avons beaucoup de difficultés à les modifier. Donc, chaque fois que l'extérieur, chaque fois que la réalité vient nous présenter la possibilité d'une modification, notre tendance est de dire « Non, non, ça ne m'intéresse pas. Je suis bien comme je suis. Je préfère rester comme je suis. » Pourtant, la psychanalyse est un instrument qui nous permet de mieux vivre. C'est un instrument qui va nous permettre de développer nos capacités relationnelles. C'est un instrument qui va nous permettre d'améliorer nos rendements intellectuels et physiques, notre potentiel créatif. Et tout ça, c'est pour ceux qui ne sont pas malades. On dit même que la psychanalyse est plus efficace chez les gens qui ne sont pas névrosés, chez les patients qui ne sont pas névrosés. Parce que même si la psychanalyse est née dans le but de guérir, non, c'est-à-dire qu'elle est née, non, vous le savez, que Freud, il a étudié à Paris avec Charcot, à la Salpêtrière, et donc où il étudiait les hystériques, pourquoi ? Pour essayer de trouver un remède. D'accord ? C'est-à-dire que le but de la psychanalyse était avant tout d'essayer de trouver, non, un remède à ces malaises que présentaient ces patients. Et donc, il va étudier ce fonctionnement de l'appareil psychique, donc qui va orienter, non, la psychanalyse comme une sorte de remède. Mais nous allons voir que la psychanalyse, c'est beaucoup plus qu'une thérapie. Alors effectivement, c'est une thérapie aussi. C'est une thérapie qui va nous permettre, on va dire, de fonctionner comme remède et qui fonctionne d'ailleurs très bien contre la folie, l'hystérie, le stress, les angoisses, les obsessions, les peurs démesurées, non ? C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est, qui fonctionne, on va dire, qui fonctionne pour tous ceux qui acceptent de se soumettre à l'expérience, effectivement. Rappelons qu'actuellement, en ce début du XXIe siècle, okay, la véritable pandémie qui nous occupe, c'est la maladie mentale. Or, la maladie mentale est vraiment la principale pandémie qui est répandue dans le monde entier. D'accord ? Et que Freud nous le dit aussi clairement, il dit « j'ai honte de le dire ». Mais l'humanité entière a besoin de se psychanalyser. C'est-à-dire que l'humanité entière, ça veut dire que chacun d'entre nous, nous avons besoin de nous psychanalyser. D'accord ? Non seulement pour pouvoir nettoyer et laisser place, non, nettoyer un petit peu notre névrose, et pour pouvoir laisser place, non, à autre chose que notre névrose, mais en plus pour développer nos capacités, parce que l'être humain, il a une capacité dont aujourd'hui encore, il ne connaît pas, non, les dimensions. C'est-à-dire que l'être humain a une bien plus grande capacité que ce que la société nous propose aujourd'hui. Donc, nous avons vu que la découverte de Freud, c'est un système thérapeutique, d'accord, qui est indispensable et qui va nous montrer le fonctionnement de notre appareil psychique. D'accord ? C'est-à-dire que dans l'interprétation des rêves, donc le livre, non, auquel nous allons essayer de lire ensemble, c'est donc un livre qui va nous expliquer comment fonctionne notre appareil psychique. Donc, on va voir et que dans l'interprétation des rêves, non, ce qui est intéressant, important, parce que ce cours sur l'interprétation des rêves va nous parler, bien évidemment, de ce qui nous touche tous, les rêves. D'accord ? Névrosés, nous ne sommes pas tous névrosés, nous n'avons pas tous des symptômes,
Mais des rêves, tous nous en avons. Et c'est là où donc il va utiliser les rêves pour nous démontrer, pour nous montrer et démontrer comment fonctionne cet appareil, on va dire cet appareil psychique, qui a la capacité de produire des rêves, mais en plus qui a la capacité aussi de produire des lapsus, des blagues, des actes manqués, des oublis, et bien évidemment des symptômes. Toutes sortes de symptômes, d'accord ? Donc tout ça, toutes ces productions que nous voyons dans notre vie quotidienne, ce sont les effets du travail de l'inconscient. D'accord ? C'est-à-dire que l'inconscient, notre appareil psychique, travaille tout le temps. C'est-à-dire que lui, il n'est pas paresseux. D'accord ? Il n'est pas fatigué. Il travaille tout le temps et pendant la nuit, il réalise des rêves. Il fait des rêves, comme disent les Français. C'est-à-dire qu'il n'arrête pas de travailler. Et il va travailler comme ça pendant toute notre vie. Cet appareil n'a pas d'âge, dans le sens où il ne va pas souffrir comme notre corps, non, du passage du temps. Sinon qu'il va toujours aussi bien fonctionner jusqu'à la fin. C'est un appareil qui ne vieillit pas. Donc, si nous pouvions compter sur lui, ben nous pouvons vieillir beaucoup mieux, d'accord, beaucoup plus joyeusement que ce que nous propose la société actuelle. Et donc, le travail, quand on parle de travail, parce que cet appareil, il travaille, ça veut dire comme tout appareil, ben il fonctionne, il y a des éléments, il y a des mécanismes, et il y a des éléments qui sont en fonctionnement constamment. Donc, et qui n'arrête pas de travailler, qui travaille tout le temps. Et donc, cet appareil qui travaille tout le temps, il a deux possibilités. Ou il travaille pour la maladie, et donc il va produire des symptômes, ou il va travailler pour produire des choses qui sont extérieures à moi. C'est-à-dire des choses où moi, je prête mon énergie pour le lancer à l'extérieur, on va dire. Et c'est là où ça devient très intéressant. Bonsoir Sylvie, bonsoir Nour. D'accord ? Donc, nous pouvons, non, parce que ce travail-là, ou quand on va travailler, donc tous, quand nous allons travailler, c'est ce que nous faisons. Nous travaillons pour notre salaire, mais en même temps, nous allons travailler pour faire fonctionner quelque chose. Participer, non ? Ou on donne un service, ou on participe au fonctionnement d'une entreprise. Et en fait, nous devons savoir, et il est très important de le rappeler, c'est que quand nous sommes, nous tous, arrivés dans le monde, où il y avait déjà beaucoup de gens, non ? Mais il y avait beaucoup de gens qui avaient déjà travaillé. Il y avait beaucoup de gens qui avaient déjà travaillé pour que moi, je puisse disposer de tous les services dont je dispose aujourd'hui. Non ? On va dire, le café au coin de la rue, le chauffage central, l'eau chaude, le cinéma, la télé, les voyages, cette possibilité de parler et d'être en contact avec vous grâce à Internet. C'est-à-dire que si on jette un coup d'œil, et ça c'est impressionnant, si on jette un coup d'œil sur la quantité d'implication de l'homme sur la planète, je mets à part le fait que c'est bien, que c'est mal, qu'il pollue, qu'il ne pollue pas, qu'il ne respecte pas sa planète. Sinon, mais regardez l'impact. Regardez le travail qu'a fait l'homme sur la planète. C'est impressionnant. Je veux dire, aucun autre animal, aucune autre race vivante a eu autant d'implications. Or, peut-être qu'on aurait pu être plus discret certaines fois. Oui, d'accord. Mais sans juger, simplement regarder l'impact de cette capacité que nous avons de travailler. Et qu'en plus, moi aujourd'hui, comme vous, chacun d'entre vous, nous avons la possibilité de disposer de services parce qu'il y a des générations antérieures qui ont travaillé pour que moi je puisse aujourd'hui faire ce que je fais et vivre comme je vis. C'est-à-dire que je vis comme je vis grâce au travail des autres. Et c'est qui ces autres ? Je ne sais pas, je ne les connais pas. Je ne sais pas comment ils s'appellent. Pourtant, ces gens dont je ne connais pas le nom, ils ont travaillé pour moi. Ils ont travaillé pour que moi, aujourd'hui, je puisse avoir ce petit casque, non, qui me permet de parler avec vous.
C'est-à-dire, ce que je veux, l'idée que je veux transmettre ici, c'est que nous vivons dans une chaîne humaine. Que le travail que les générations antérieures ont fait qui me permettent à moi de vivre aujourd'hui comme je vis et à vous de vivre comme vous vivez, d'accord ? C'est quelque chose qu'on appelle la générosité. Il y en a d'autres qui appellent ça directement l'amour. Le véritable amour, parce que je vais faire quelque chose pour quelqu'un que je ne connais pas et qui va pouvoir utiliser, non, ce que je vais inventer, l'électricité. Enfin, je dis l'électricité, c'est pas seulement la lumière, mais c'est l'ordinateur. Donc tout ça, moi j'ai quelqu'un à remercier, je dois remercier tous ces gens qui ont travaillé avant moi. Et comment je fais pour remercier ? Ben, je dois travailler pour les générations futures. Parce que bien sûr, à Edison, bon, ou à Telsa, non, les inventeurs de l'électricité, je ne peux plus les remercier. Ils ne sont plus là. Donc la seule chose qui me reste pour pouvoir remercier quelqu'un, c'est de donner, de faire quelque chose pour les générations futures. Bon, ça c'est pour vous expliquer que nous sommes dans une chaîne, dans la chaîne des êtres humains, où je prends. Où ma mère s'est occupée de moi pour que moi je ne meure pas et que moi maintenant je dois m'occuper d'autres personnes pour éviter qu'ils meurent. Non, comme font la chaîne humaine. La maman, non, elle s'est occupée de sa fille, de son bébé pour éviter qu'il meure. Parce qu'un bébé, quand il naît, si personne ne s'en occupe, il meurt. Donc il y a une maman qui a pris soin de ce bébé. Mais ce bébé après, c'est pas la maman hein, qui doit payer la dette. Sinon, c'est à ses propres enfants. D'accord ? C'est ça la chaîne. Et la chaîne, ça va plus loin que la reproduction, ça va plus loin que l'animal. Parce que bien sûr, nous sommes des animaux, mais vous avez vu, les animaux, ben, ils ne font pas grand-chose, les animaux. Mais nous, les êtres humains, si. Et nous avons même la possibilité d'être heureux. Bon, grâce à la psychanalyse, je ne vous dis pas, c'est beaucoup plus facile. Mais sinon, nous avons cette possibilité-là d'arriver à être heureux sur cette planète, à vivre heureux et à profiter d'être vivant. Bon, donc, voilà, nous sommes dans le monde des êtres humains, donc nous sommes attachés à cette chaîne. Nous participons tous à cette chaîne. Alors, c'est vrai que le névrosé, le véritable névrosé, il ne veut rien savoir de tout ça. D'accord ? La seule chose qui l'intéresse, c'est ses problèmes. Le névrosé, non, la caractéristique principale du névrosé, c'est qu'il s'éloigne de la réalité et il va vivre dans son monde. D'accord ? Donc, on va dire que la caractéristique, on va distinguer rapidement un névrosé parce qu'on voit qu'il ne veut rien savoir de la réalité. D'accord ? Il ne veut rien savoir. Il s'éloigne et il va vivre dans son monde. Alors, quand je dis qu'il ne veut rien savoir, je veux dire qu'il a des difficultés à accepter les éléments de la réalité. Donc, il s'échappe dans ses fantasmes. On va dire, il va vivre dans ses fantasmes parce que la réalité, ben, vous savez, la réalité, elle a toujours été très dure. Elle était très dure dans le passé et elle est encore très dure aujourd'hui. Donc, c'est vrai que nous avons tendance, nous les êtres humains, qui avons cette capacité d'échapper à la réalité et de commencer à fantasmer. Hein ? On dit que quand on utilise ce mécanisme, en fait, ce que l'on montre, c'est qu'on n'est pas heureux dans la réalité. Qu'on a donc besoin de s'échapper, non ? dans ces fantasmes pour aller faire quoi ? Pour revivre une histoire, pour imaginer quelque chose qui n'a jamais existé ou pour imaginer quelque chose qui a existé et qu'on veut revivre dans notre fantasme. D'accord ? Donc, tout ça pour vous dire que moi, j'ai reçu beaucoup de choses. Donc, c'est pour ça que je suis aussi aujourd'hui, non ? En essayant de participer, de partager avec vous, on va dire, ce qu'on m'a donné, ce que j'ai reçu, parce qu'il y a d'autres gens pour que moi, j'ai cette possibilité-là aujourd'hui. Non seulement il y a Edison qui m'a donné de la lumière, ou celui qui a inventé Internet,
Sinon qu'en plus, bah, j'ai eu des professeurs de psychanalyse, j'ai eu ma propre psychanalyse, j'ai eu beaucoup d'éléments qui m'ont permis aujourd'hui de pouvoir partager avec vous, non ? On va dire ce savoir. Donc, on va voir dans l'interprétation des rêves, nous allons voir comment fonctionne notre appareil. Parce que donc, c'est un appareil qui peut provoquer de sérieux troubles, non ? Des troubles qui vont empêcher donc que le sujet puisse profiter de la vie. D'accord ? Donc, mais on va voir que c'est ce même appareil, et une chose qui est très importante aussi, c'est que c'est ce même appareil qui va, on va dire, qui va empêcher le névrosé de vivre sa vie. Et c'est ce même appareil qui va permettre à l'artiste, au scientifique, à l'ingénieur de fabriquer quelque chose pour les autres. Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que quand on voit, c'est quelque chose qui est très intéressant, c'est-à-dire que quand on pense au malade mental ou on pense au névrosé, au psychotique, au mélancolique, à l'angoissé, ce ne sont pas des gens qui ont un appareil et qui fonctionnent mal. Ce ne sont pas quelque chose où il y a une dégénération de quelque chose, où il y a quelque chose qui est abîmé, cassé. Non, 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 non. C'est le même appareil pour tout le monde. D'accord, c'est ce même appareil qui n'est pas cassé, c'est-à-dire qui est toujours, en fait, on va dire que c'est un appareil qui est, lui, l'appareil est toujours en bonne santé. Pourquoi ? Parce qu'il fonctionne. Mais bien sûr, ce n'est pas la même chose que fonctionner et produire, on va dire, ou construire un pont, participer à la construction d'un pont, de participer à la production d'un film, que de fabriquer un symptôme. Mais Freud, il vient nous dire que c'est ce même appareil qui peut produire ou une chose ou une autre. Donc après, c'est la position du sujet par rapport à non, comment il va utiliser cet appareil. Donc je peux l'utiliser parce qu'en fait, il dit qu'il va nous expliquer que le symptôme, il vient parce que j'exagère l'utilisation d'un mécanisme. J'utilise trop un mécanisme, que j'ai, on va dire que cette énergie qui devrait être à ma disposition, cette énergie psychique qui devrait être à ma disposition pour que je puisse l'utiliser au-delà de moi, ben en fait, je l'utilise, elle garde, ça reste en moi. C'est une utilisation, non, que je vais rester, je vais garder, je ne vais rien produire à l'extérieur. Et ça, ça rend malade. Ça produit la maladie. D'accord ? C'est ça qui produit la maladie. C'est-à-dire que quand cette énergie, elle reste en nous, quand elle ne s'extériorise pas, ni par le travail, ni par l'écriture, ni par une conversation. Parler, avoir des conversations avec les autres, c'est mettre l'énergie à l'extérieur. Bien sûr, après, il y a apprendre à parler. Quand je dis apprendre à parler, c'est-à-dire que je dois apprendre à écouter ce que l'autre me dit, comment il est, d'où il me parle. Bon, tout ça pour vous dire que nous avons tous le même appareil et que cet appareil, pour tous, fonctionne bien, mais il a des résultats différents parce qu'il est utilisé de façon différente. Donc, on va dire que la psychanalyse est une science parce qu'elle a un objet de connaissance. D'accord ? Toute science va s'occuper simplement d'un petit point. La psychanalyse, elle ne peut pas s'occuper de tout ce qui concerne l'être humain, ni même de tout ce qui concerne l'inconscient. Parce que la psychanalyse, son objet de connaissance, c'est l'inconscient. Mais il ne s'agit pas de n'importe quel inconscient. Il s'agit de l'inconscient que la psychanalyse étudie. Et cet inconscient, c'est l'inconscient réprimé. C'est celui qui va produire ses effets dans la conscience. D'accord ? Comme on disait, donc c'est l'oubli, c'est le lapsus, c'est l'acte manqué. Tout ça, ce sont des produits de l'inconscient. OK ? Et c'est ce qu'étudie la psychanalyse. OK ? Donc, la psychanalyse, on a dit qu'elle se limitait à ça. C'est-à-dire qu'il y a un inconscient qui va s'occuper, par exemple, de la télépathie. Il y a un inconscient qui va s'occuper des phénomènes extra, non ? Entre, effectivement, peut-être que ça existe. Mais la psychanalyse ne s'en occupe pas. D'accord ? Donc, je veux dire, parce qu'il est nécessaire de bien limiter, on va dire,
de bien limiter la situation. Donc, la psychanalyse, elle étudie cet inconscient réprimé. D'accord ? Parce qu'en fait, elle va étudier cet espace-temps, non ? Que la science psychanalytique est capable de déterminer. Notre sujet psychique, c'est le sujet des émotions. Et quand je dis le sujet, je parle de nous. Le sujet, le patient. Et la psychanalyse, de quoi elle va s'occuper ? Elle va s'occuper de nous, de nos émotions, de nos conduites, de notre vie quotidienne. De celui qui aime, de celui qui souffre, de celui qui déteste, de celui qui a des difficultés à être en relation avec ses propres sentiments. C'est de ça dont la psychanalyse va s'occuper. De ses espoirs, de ses faux espoirs. D'accord ? Parce qu'en fait, il va expliquer que tout ça, c'est le résultat dans la conscience de notre travail, du travail inconscient. C'est-à-dire que la psychanalyse va venir révéler, on va dire, elle va venir révéler quelque chose que le sujet, lui, ne connaît pas. Alors, on va dire que la psychanalyse, la science psychanalytique, et il faut le dire, et je le répéterai tout au long de ce cours, est très mal connue, elle est très mal lue. Parce que le travail qu'a réalisé Freud avec l'écriture de ce texte est un travail révolutionnaire. Complètement révolutionnaire. Pourquoi ? Parce qu'il va venir nous révolutionner nos propres sens, notre propre raison. Alors, à chaque fois qu'on veut essayer d'utiliser la raison pour comprendre, on sort des limites de la science psychanalytique. D'accord ? Donc, pour pouvoir nous rapprocher de la lecture de ce texte, nous devons mettre de côté nos préjugés, notre raison, pour essayer de voir si nous pouvons découvrir la nouveauté que Freud va nous présenter. D'accord ? La nouveauté dans cet appareil, on va dire, dans cet appareil psychique. D'accord ? Donc, il va nous dire que... alors, attendez. Poum, 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 poum. Donc, il va nous dire... Donc, on avait dit qu'il était obligatoire pour un centre scientifique d'être capable de faire ça, de mettre de côté ses préjugés, de mettre de côté sa raison, ben, comme un travailleur. Comme nous, quand nous allons travailler, on se sommes obligés de laisser nos problèmes à la maison pour pouvoir travailler. Si je vais travailler avec mes problèmes, je ne travaille pas. Ben, le scientifique, c'est la même chose. C'est-à-dire que pour pouvoir faire la découverte, non ? Pour réussir à découvrir quelque chose de nouveau, obligatoirement, il doit oublier sa propre personne. Il doit se transformer uniquement, on va dire, en scientifique pour pouvoir découvrir. Et c'est ce qu'a fait Freud. C'est pour ça que très souvent, on critique Freud en disant « Oui, mais c'était un petit bourgeois, comment il a pu découvrir la science psychanalytique qui vient justement tout révolutionner ?» C'est parce que le petit bourgeois, ce n'était pas le scientifique. Le petit bourgeois, c'était le monsieur qui vivait sa vie avec sa famille. Mais le scientifique, c'était un scientifique. Séparons, s'il vous plaît, nous ne sommes pas uniques. Nous sommes multiples. Chacun d'entre nous, nous sommes multiples. Et nous pouvons, bien sûr, l'un derrière l'autre, mais nous avons beaucoup de fonctions, nous pouvons, non ? Comme la femme, elle est travailleuse, elle est maman, elle est femme, ce sont toutes des fonctions différentes et pour l'homme c'est la même chose. Et donc nous pouvons ajouter, non ? Nous devrions pouvoir ajouter à chacun d'entre nous un artiste, un scientifique, ce sont toutes des possibilités que l'être humain a à sa disposition. C'est quelque chose que simplement, parce que quelle est la différence entre un scientifique et un non-scientifique ? Ben, y en a un qui travaille pour la science et un autre qui ne travaille pas pour la science. Quelle est la différence entre un artiste et un non-artiste ? Il y en a un qui travaille pour l'artiste et un autre qui ne travaille pas pour l'artiste. Simplement une différence entre le travail que je vais faire et le travail que je ne vais pas faire. C'est-à-dire que c'est une décision aussi du sujet. D'accord ? Donc nous allons parler, donc on était en train de parler de cette lecture que nous devons essayer ou réussir à obtenir pour réaliser une lecture scientifique,
Alors, d'accord, c'est vrai, c'est pas facile, mais une lecture scientifique pour aller découvrir, et Freud va nous aider. Parce que tout au long du texte, Freud il va nous dire « Attention, ne tombez pas dans ce préjugé. Écartons ça et suivons notre thèse scientifique. » D'accord ? Pour pouvoir découvrir ce qu'il nous propose. D'accord ? Parce que, en fait, lui, il va nous parler, ou un autre élément, pour pouvoir nous approcher un petit peu de cette lecture, c'est ne pas tomber, on va dire, dans la lecture naïve. D'accord ? Parce que nous avons tendance, bah oui, les êtres humains, nous avons tendance à la paresse, il faut le dire. Nous avons tous tendance à la paresse. Alors, quand nous nous laissons tomber par la paresse, bah alors, il peut nous arriver n'importe quoi. Parce que, non, quand on dit c'est un des péchés capitaux, c'est un des péchés capitaux parce que c'est une grande tendance de l'être humain. D'accord ? Et on dit que donc, si je tombe dans la paresse, qu'est-ce que je fais ? Je fais une lecture naïve des textes. Et quand je fais une lecture naïve du texte, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je lis, et quand on parle de lecture, ce n'est pas simplement la lecture d'un livre, sinon c'est la lecture de tout ce qui se passe autour de moi. La lecture, c'est quand je dis « Ouf, il y a des gens qui ont des gros manteaux, il doit faire froid dehors. » Lecture, j'ai lu. J'ai associé manteau à froid. D'accord ? Vous voyez, ça c'est un acte de l'inconscient. Bon, après, il faudrait savoir pourquoi c'est tombé justement à ce moment-là. Mais disons que là, c'est le sujet. Là, c'est Clémence qui est arrivée. D'accord ? C'est plus la prof, on va dire. Donc, vous voyez, tout d'un coup, pas. Il y a Clémence qui est sortie au moment de son cours. Elle n'avait rien à faire là. Et pourtant, tac, elle est apparue. Bon, alors, on va la relancer derrière et on va continuer. Donc, on parlait de la lecture naïve. Donc, la lecture naïve, c'est l'interprétation que je fais des faits. Et en fait, donc, nous avons tous un appareil de lecture. Et cet appareil de lecture, en fait, quand nous naissons, dès la naissance, nous avons un appareil de lecture qui est en fait établi par ce qu'on appelle les modèles idéologiques de l'État. Nous arrivons dans une société où la société, elle va nous dire, voilà, qu'est-ce que ça veut dire aimer ? Aimer, ça veut dire ça. Qu'est-ce que ça veut dire travailler ? Travailler, ça veut dire ça. Non, je n'aime pas le travail, je n'aime pas le travail. Nous vivons dans une société qui nous dit, dès que nous naissons, que le travail, c'est une punition. Non, comme si nous étions tous religieux, parce que ça c'est une idée religieuse, non, nous allons être punis avec l'obligation du travail, alors que le travail, c'est quelque chose qui va me permettre de transformer ma vie, c'est un instrument impressionnant, d'accord ? Et pourtant nous vivons dans une société qui nous parle très mal du travail, qui nous dit, qui nous explique qu'est-ce que l'amour et qui va nous expliquer, nous donner une définition de l'amour. Donc, de l'amour et de comment je dois travailler. C'est-à-dire que je vis dans une société qui pense à ma place comment je dois vivre, comment je dois souffrir, comment je dois aimer, comment je dois être en relation avec les autres, avec mes enfants, avec mes parents, avec mes amis. La société me dit tout ça. Je ne décide pas. J'applique ce qu'on m'a mis dans la tête. Non ? On est le bourrage de crâne. Donc, si je ne fais pas un travail personnel, je tombe dans cette lecture directement. Je répète ces modèles qu'on m'a inculqués. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je commence à travailler pour ces modèles. Je deviens une répétition de ces modèles. Je transmets ces informations à mes enfants. Je transmets ces informations aux gens qui m'entourent. Je deviens un modèle pour montrer, voilà, comment on doit aimer, voilà comment on doit vieillir, voilà comment on doit travailler. C'est-à-dire que je travaille pour eux, je ne travaille pas pour moi, je ne travaille pas pour mon bonheur, je travaille pour eux. Pour cette société qui m'a dit comment je devais faire, comment je devais vivre. D'accord ? D'où la nécessité, d'où le besoin de faire un petit travail, parce qu'attention, il ne s'agit pas de révolutionner absolument tout, de faire un petit travail pour pouvoir avoir accès à la construction de nouvelles idées. Bon, c'est pour ça que je vous dis que la psychanalyse, pour ça, c'est un instrument fantastique, parce que c'est l'instrument qui va me permettre de fabriquer mes propres idées. C'est moi qui vais choisir. Pas d'autres qui ont choisi pour moi ce comment je devais penser. Sinon que c'est moi qui vais choisir.
Parce qu'on va voir que l'Homo sapiens, d'accord, l'Homo sapiens, donc notre ancêtre, ben en fait, il est passé par différentes phases de pensée. C'est-à-dire qu'il a construit, non, le pensée, dans la pensée, la société, les idées dans lesquelles nous vivons aujourd'hui dans cette société, c'est la construction, c'est le résultat, on va dire, de toutes ces étapes. Et en fait, ce que vient nous dire Freud, entre autres, mais je pense qu'il y a d'autres penseurs qui disent la même chose, c'est-à-dire que toutes ces idées qui ont traversé l'humanité n'ont pas disparu. C'est-à-dire que nous avons, par exemple, nous continuons à vivre avec la pensée magique. Aujourd'hui, dans un monde où c'est la science et la technique qui devraient dominer toutes nos manières de penser, nous continuons à être dominés par des pensées magiques. Il y a des gens qui vont voir des voyants, des voyantes, qui vont lire les boules de cristal. D'accord, ça c'est la pensée primitive. C'est-à-dire que dans chacun d'entre nous, toutes ces pensées qui ont dessiné l'histoire de l'humanité, elles continuent à vivre entre nous. Entre nous et en nous. C'est-à-dire qui a renoncé vraiment à dire « je croise les bras, je touche du bois » Pensée magique. De l'homme primitif. La pensée magique, Dieu n'existait pas, c'est l'homme primitif, Dieu, la religion n'existait pas. Et ça continue à vivre en nous aujourd'hui, sans que nous fassions rien. C'est ces idées, la société, poum, non, qui vient avec ces idées, nous continuons à vivre avec ces idées que, dans le monde dans lequel nous sommes arrivés, c'était comme ça, donc nous les avons pris. Donc si nous ne faisons pas un travail, nous n'arriverons pas à cette pensée, on va dire, scientifique qui va nous permettre de vivre et de nous détacher un petit peu, non, de cette histoire où il y avait donc cette pensée primitive magique, après il y avait la pensée, la religion, et après la religion, il y a la pensée scientifique. La pensée scientifique qui a une manière, on va dire, d'approcher la réalité. D'accord ? Par exemple, non, il y a ce que Freud appelle la blessure narcissique. Donc, dans l'histoire de l'humanité, l'homme il est passé par plusieurs blessures narcissiques. Une des premières blessures narcissiques, c'est quand Copernic est venu lui dire que ce n'était pas le Soleil qui tournait autour de la Terre, sinon que c'était la Terre qui tournait autour du Soleil. Donc ça, c'est quelque chose de vraiment, non ? On parle de la révolution copernicienne parce que c'est vraiment une révolution pour l'être humain. Parce que rendez-vous compte, non seulement il vient me dire que moi qui croyais que je vivais sur une planète qui était le centre de l'univers, il vient me dire que non, que c'est une petite planète qui a besoin de tourner autour du Soleil pour pouvoir être illuminée, avoir de la chaleur, et pour pouvoir survivre. C'est-à-dire que c'est une planète qui dépend de ce Soleil. D'accord ? Et qui tourne autour. Déjà ça, on parle de blessure narcissique que l'homme, il a dû accepter, et avec bien du mal. Copernic, je crois qu'on l'a brûlé parce qu'il venait nous dire ça. Donc, vous voyez comment est l'être humain. L'être humain, pour avoir la capacité de modifier une idée, boudoudoudoudou, c'est très difficile pour lui. Il a d'énormes difficultés pour modifier une idée. Et ensuite, Copernic, qu'est-ce qu'il vient nous dire en plus ? Non seulement que nous ne sommes pas le centre de l'univers, sur notre petite planète, sinon qu'en plus, qu'il vient nous dire que ce que l'on voit, ce n'est pas la vérité. Que nos sens ne nous permettent pas de nous rendre compte dans quel monde nous vivons. Que nous voyons le soleil se lever et se coucher. Nous voyons le soleil tourner autour de la Terre. Nous avons l'illusion, nous croyons que c'est faux, que ce que nous a dit Copernic, c'est faux. Parce que nos sens viennent nous donner une autre information, donc qu'est-ce qui se passe? Nous devons nous rendre compte que nous vivons avec deux réalités différentes.
la réalité de mes sens qui me trompent. Et Copernic l'a déjà dit, c'est le premier qui est venu me dire que mes sens me trompaient. Et pas parce que je suis une idiote, sinon que mes sens me trompent parce que je suis dans une position sur la Terre qui ne me permet pas autre chose. Je n'ai pas la possibilité de me rendre compte de la vitesse à laquelle tourne la Terre. Donc je vis dans deux réalités, mes sens qui me trompent et la réalité scientifique qui est venue découvrir Copernic et que Galiléo après a récupéré. Et lui aussi, on lui a fait la vie impossible. Oh, il est passé par l'Inquisition et tout ça parce qu'il venait montrer à l'homme qu'il n'était pas ce qu'il croyait être. C'est la même chose qui arrive avec la psychanalyse. La psychanalyse, elle vient montrer à l'homme que ce que la conscience, elle lui dit, c'est pas vrai. Que la psychanalyse, elle vient montrer que la conscience est un organe perceptuel, tout comme la vue, l'ouïe, le toucher, le goût, tout ça qui sont des sens qui peuvent me tromper, qui peuvent me raconter n'importe quoi. Mais il dit, la conscience, c'est la même chose. C'est un organe perceptuel qui va me tromper. Donc, on va dire, qui va me tromper. Ok. D'accord. Et ça, c'est une révolution que la psychanalyse présente en disant qu'elle ne peut plus, que le sujet ne peut plus croire sa conscience. Il ne peut plus se laisser embobiner par sa conscience, que la conscience, elle vient le tromper. Alors, le sujet, imaginez. Alors, il a déjà eu des difficultés à accepter que la Terre ne tournait pas autour du, que la Terre, que le Soleil ne tournait pas autour de la Terre. Alors, accepter que sa propre conscience ne lui donne pas les véritables informations sur sa situation, ça c'est douloureux. Ça fait très mal. C'est ce qu'on appelle une blessure narcissique. Et c'est ce que vient nous montrer la psychanalyse. La psychanalyse, elle vient nous montrer que la conscience, parce que comme on voit la conscience, elle n'a pas la possibilité de, c'est ce qu'il vient nous montrer dans l'interprétation des rêves, Freud, La conscience, elle n'a pas la possibilité de mémoriser. Dès qu'elle capte, dès qu'elle perçoit, elle est obligée d'envoyer dans une autre armoire l'information pour la mémoriser. Parce qu'elle n'a pas la capacité, on va dire, elle n'a pas la capacité de mémoriser, parce que sinon, la perception se bloquerait. Donc, pour pouvoir continuer à recevoir des informations, je dois, poum, envoyer dans la mémoire. Je dois, poum, envoyer dans la mémoire. Et une fois que c'est dans l'armoire de la mémoire, ça s'est transformé. Ce n'est plus la réalité, ce n'est plus ce que j'ai perçu. Et en plus, ce que j'ai perçu, c'est en fonction de moi, pas en fonction de la réalité. Non ? Vous avez écouté, non ? Ce premier cours d'introduction. Chacun va raconter une chose différente sur ce qu'il a vu, sur ce qu'il a écouté. Quelle était la réalité ? Toutes ces versions, il n'y avait pas de réalité. La réalité en elle-même, c'est ce que chacun va dire de ce qu'il a vu, de ce qu'il a écouté. Bon, vous avez des commentaires à faire ? D'accord ? Vous voulez faire des commentaires ? Vous voulez exprimer quelques idées ? Je veux dire, c'est le moment. Je peux me taire un petit peu ou je peux continuer, selon le cas. D'accord ? Donc, ce qui pourrait être intéressant, Mamadou Baldé. Les vérités d'hier deviennent mensonges aujourd'hui. Sinon, au primaire, ils nous ont dit que la Terre tourne autour du Soleil. Claro que la Terre tourne autour du Soleil. Donc, à partir de là, je ne peux plus me laisser tromper. Maintenant, je le sais. Donc, même quand je vais lire « le Soleil se lève », ce n'est pas le Soleil qui se lève. C'est-à-dire que même dans notre langage de tous les jours, non, je me laisse tromper. Je fais, non, j'y ai comme une... Et il y a des gens qui réellement vivent, je veux dire que j'imagine qu'il y a des gens qui vivent, même à l'époque où, quand vous vous rappelez, les Gaulois, on disait que les Gaulois, ils pensaient que la Terre était plate. Non ? D'accord, Noura, il faut accepter. D'accord, il faut accepter un petit peu... le brouillard des fois,
avec les informations qui arrivent. Et moi, je pense qu'il faut accepter que peut-être je ne vais pas prendre toutes les informations, mais que si j'en prends une ou deux, bah, c'est déjà bien. On n'est pas obligé de vouloir tout prendre, tout absorber. D'accord ? C'est-à-dire que ce sont des informations qui circulent. D'accord ? Ce qui est intéressant, c'est d'être intéressé. D'accord ? Donc, moi, je vous propose pour la prochaine fois de commencer par la lecture de l'interprétation des rêves. D'accord ? Qui va venir donc avant tout nous montrer quelque chose de nouveau, qui va nous montrer comment nous devons apprendre à lire de façon scientifique. D'accord ? On va revenir, d'accord, sur cette notion de scientificité de la psychanalyse. Bonsoir Fernand, Noémie, je trouve ça parfait, je comprends bien et j'apprends aussi. Merci à vous pour ce partage. Merci Noémie. D'accord ? Donc vous pouvez partager, s'il vous plaît, partagez le vidéo avec vos amis, faites-le découvrir. Je veux dire que au plus on est de fous, au plus on rigole, mais surtout au plus on va diffuser, non, cette information. Je pense que diffuser les bienfaits de la psychanalyse, ça ne peut être que positif. On est que tous les gens qui travaillent, on va dire, d'une façon ou d'une autre pour la diffusion de la science et de la culture, ont obligatoirement des rebondissements positifs. D'accord ? C'est-à-dire que c'est quelque chose obligatoirement qui va revenir et qui va être productif pour chacun d'entre nous et bénéfique pour chacun d'entre nous. D'accord ? Parce qu'il y a des gens qui vont faire justement l'inverse. Donc ça, c'est en général, on peut avoir. Bon, enfin bref, chacun fait ce qu'il peut, chacun fait ce qu'il veut, mais surtout fait ce qu'il peut. D'accord ? Nous n'avons pas obligatoirement tous les instruments pour pouvoir être libre et faire ce que nous voulons. Donc, c'est pour ça que la psychanalyse est un instrument merveilleux. Donc, je vous recommande d'une façon ou d'une autre d'avoir accès à un divan, d'accord, comme on dit. Donc, ici de Madrid, moi, j'écoute les patients par Skype, par téléphone, par Messenger. Donc, vous pouvez être ou à Madrid ou à l'extérieur. Moi, je suis là pour vous écouter. Et que si vous voulez commencer cette aventure avec la psychanalyse, vous êtes les bienvenus. Donc, mais de toute façon, donc nous allons commencer l'interprétation des rêves. Donc, mardi prochain à 20h. J'en profite pour vous dire qu'on ne va pas s'arrêter là. J'en profite pour vous dire, on fait des progrès, on t'écoute. Merci de votre aimable gentillesse. Je vous en prie, Fernanda. Donc, demain, je continue. D'accord ? Et donc, je vous propose demain un cours sur la vie sexuelle humaine. Demain, mercredi, mais cette fois, ce sera à 21h. D'accord ? Donc, on va commencer à 21h et on va essayer de faire un petit parcours, d'accord, sur qu'est-ce que la vie sexuelle humaine, pour la psychanalyse évidemment, d'accord ? Pouvez-vous enregistrer le direct ? Comme ça, je pourrai écouter encore plus tard et le partager dans mon entourage. Merci à vous. C'est l'idée, Noémie, d'accord ? Donc, tout ça, ça va se garder dans le vidéo, va être gardé sur cette page Facebook. Donc, après, effectivement, vous pourrez le partager avec qui vous voulez, d'accord ? C'est-à-dire que c'est un matériel où nous n'avons pas de droit de copyright, c'est un matériel dont tout le monde vous pouvez disposer, s'il vous plaît, ok ? Donc, c'est pour tout le monde. La psychanalyse, c'est pour tout le monde, d'accord ? On dit psychanalyse pour tous. Donc, s'il vous plaît, partageons. Donc, il s'enregistre de façon automatique, effectivement. Bon, si je le fais correctement, Sylvie, si je le fais correctement. Donc, des fois, il y a des petits actes manqués qui font que je n'enregistre pas le cours. Mais effectivement, normalement, ça se fait tout seul. Et qu'est-ce que j'allais dire ? Donc, si vous êtes intéressé, demain, la sexualité et la vie sexuelle humaine, donc c'est un autre sujet très intéressant, la vie sexuelle humaine,
demain, mercredi, à partir de 21h. Donc, à partir de 21h, ça veut dire que c'est le direct. Et après, vous pourrez effectivement revenir plus tard, ok, plus tard ou le jour suivant et le regarder quand vous êtes disponible. Ok. Donc, merci pour votre participation. Donc, aujourd'hui, c'était juste, on va dire, juste un premier contact, un premier abord. Donc, j'espère que vous serez nombreux à participer. Donc, essayez de commencer la lecture du texte. Nous allons commencer par le premier chapitre qui s'appelle « La méthode d'interprétation ». Donc, il va nous déjà nous raconter comment on interprète un rêve en psychanalyse. D'accord ? Donc, il va direct au but. D'ailleurs, il y a un autre chapitre qui s'appelle « La littérature scientifique sur les rêves ». Mais en fait, c'est un texte, c'est un chapitre que lui… Il a écrit il a écrit à la fin de l'interprétation des rêves pour nous montrer que lui, il savait quelle était la situation littéraire, scientifique et philosophique sur les idées qui existaient sur les rêves avant la production de ce livre, l'interprétation des rêves. D'accord, c'est pour ça qu'on va considérer que la méthode d'interprétation. D'accord ? La méthode d'interprétation, ça va être le premier chapitre que nous allons travailler la fois prochaine, mardi prochain à 20h. Donc, merci à tous pour votre participation. J'espère que vous serez plus nombreux la prochaine fois. Et donc, bonne continuation, bonne semaine et peut-être à demain pour les plus courageux. Mercredi, 21h, la vie sexuelle humaine. Bonne continuation, bonne soirée. Au revoir.